Je m'excuse pour tout à l'heure, on s'est arrêté à ce niveau. On était en train de déterminer la quantité optimale de l'entreprise 2. Donc, la suite est la suivante. 3A moins un seul A, il y a 2A. Moins 3M plus M, il y a moins 2M. Sur 6, P. Il a pris un milieu où j'aurais dit Zina 2, facteur de A moins M sur 6, P. Sur 6, il y a 3 fois 2, P. La seule chose, c'est ça. Allez, je dois faire la table pour simplifier. 2 moins 2, il y a des certaines. La quantité optimale de l'entreprise 2 est égale à A moins M sur 3B. La quantité optimale de l'entreprise A, voilà la quantité optimale de l'entreprise 2. Après ça, on va voir la quantité du duopole, et la quantité qui est derrière le marché, pour déterminer le prix du duopole. Alors, d'après la vidéo qui est maintenant, on a trouvé x étoile 1 est égal à a moins m sur 3b, où x étoile 2 est égal à a moins m sur 3b. C'est-à-dire la quantité optimale de l'entreprise 1, c'est-à-dire la quantité optimale de l'entreprise 2. Entreprise 1, entreprise 2. D'abord, je vais vous dire la quantité optimale, la quantité du duopole. La quantité du duopole, c'est la quantité plus la quantité. Il y a x étoile 1 plus x étoile 2. Il y a ni le marché et qu'on aura les deux quantités. Il y a a moins m sur 3b plus a moins m sur 3b. Le marquant mouhad est 3b, donc a moins m plus a moins m. On dit a moins a, il y a 2a, moins m moins 2m, il y a 2a moins 2m sur 3b. C'est-à-dire qu'il y a la quantité du duopole. On a trouvé la quantité du... Excusez-moi. On a trouvé... Il y a le prof d'Alina, il y a deux facteurs réels de a moins m sur 3b. On a trouvé la quantité du duopole. D'abord, on va déterminer le prix du duopole. Les deux entreprises vont vendre. On sait que le prix du duopole n'est pas fonction de x. N'est pas fonction de x1. L'entreprise 1 maradis donne son prix à elle ou l'entreprise 2 maradis son prix à elle. Le prix du duopole est fonction de x étoile 1 plus x étoile 2. C'est-à-dire que le prix est égal à moins p facteur de x1 plus x2. Il y a de la donnée quand il y a de la donnée. 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 A moins p fois x. Il y a de la donnée. Donc, le prix est a moins p fois x1 plus x2. X1 plus X2, il y a 2, facteur de A moins M, sur 3B. Donc A fois A moins 2A, quand 2A, moins 2 fois A, il y a moins 2A, ou moins 2 fois moins M, il y a plus 2M, sur 3. Moins 2a plus a, il y a moins 2, il y a moins a. Plus 2m sur 3. Ok. A. Quelle erreur, Naya? Il y a une erreur. L'erreur, c'est que je n'ai pas eu هاد الشيء المقام ديالو الا ضربنا على هادي وضربنا على هادي غادي تبقى جوج ا جو غفي باش نتسنى هي ا موان دو ان تبقى او بروبر ا موان ام سور 3
خصني نوحد المقام هو 3، المقام ديالها كان 1 ضربته في 3 خصني حتى نضربها في 3 ناقص، وغادي نشر ناقص 2a زائد 2n هي 3a ناقص 2a هي a 3a ناقص 2a هي a زائد 2m على 3. هذا هو لو بري دو ديوبول. Donc l'entreprise 1, l'entreprise 2, ils vont vendre à ce prix ces quantités. Radin Kuno, c'est le même duopole. Ce qui est bien, c'est que le duopole, si je m'engouffre avec vous, c'est le duopole de Cournot. C'est lorsque duopole de Cournot. C'est lorsque deux entreprises décident la quantité simultanément. La quantité simultanément. Radi, radi duopole de Cournot. Après, comme ça, on connaît les duopoles. Moi, le duopole, les huit mètres de Cournot. C'est le prof qui nous donne le duopole, mais on n'a pas le nom. Dans une séance, on a dit que le duopole qui nous donne avec vous, qui fait les fonctions de réaction, qui fait les quantités anticipées, c'est le duopole de Cournot. Après, il est passé au duopole de Stackelberg, où on va voir dans la vidéo prochaine, inshallah.